Les touristes, comité matinal de Baptiste Diabiconi, au bouquin Fourrier Collectif. Dans notre zapping du lundi 12 février, Baptiste Diabiconi s'est distingué d'une manière pas très classe dans l'émission de TF1, Les Touristes, Mission Safari. Le mannequin a commencé sa journée par un énorme thé matinal. Baptiste Diabiconi gagnera-t-il un trophée à la fin de l'année? Comme les téléspectateurs de TF1 ont pu le découvrir dans l'émission Les Touristes, Mission Safari, diffusée en prime time le vendredi 9 février, le mannequin de 28 ans pourra concourir dans la catégorie du meilleur thé de l'année. Après une nuit sous la tente avec ses camarades, Baptiste Diabiconi a commencé sa journée en lâchant une grosse flatulence très sonore. Sa voisine Camille lui a moyennement apprécié le très court concert de trompette du Bouddha. Arthur et Cartman sont partis dans un courrier, et le principal intéressé a semblé très fier de sa performance matinale, je vous mets tous à l'amende. Plutôt philosophe, l'humoriste Arthur a souligné que ça va devenir classe de péter en camping. Présente également dans l'immense tente blanche, Karine Ferry a fait savoir que l'odeur, c'est un peu dur même si l'animatrice n'en a pas perdu son éternel sourire. La jolie brune ne s'attendait pas forcément à débuter sa journée dans de telles circonstances. Comment te dire qu'il y a mieux comme réveil, conclut-elle.